My sex in... My sex in a place with Bola. Then Bola just came with Shola. Shola just came with Ola. And then Ola just came with Tola. Now we two-step up in the church. Shakiti Baba, then we turn up. Turn up. Two-step up in the church. Shakiti Baba, then we turn up. I can't wait to... Salut Majesty, comme vous le savez, j'aime beaucoup me maquiller. Et donc voilà, de temps en temps, j'essaye de reproduire des maquillages et de vous faire... J'essaye de vous faire un tuto pour que, voilà, pour les personnes qui savent moins bien se maquiller que moi ou alors qui aimeraient savoir ou avoir d'autres astuces pour se maquiller, ben voilà moi comment je fais. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire la même chose que moi. Donc, pour commencer, moi, pour me maquiller, je commence d'abord par mes sourcils parce que comme ça, au moins, si je rate... Je sais tout effacer et recommencer à zéro parce que pour moi, je trouve que le plus difficile dans un make-up, c'est tracer les sourcils. Moi, encore là, j'ai de la chance parce que mes sourcils, ils ont déjà une forme à peu près déjà tracée. En ce qui me concerne, je n'utilise pas de concealer pour tracer mes sourcils parce que je trouve que le concealer est trop épais pour les sourcils. Je trouve que sur d'autres maquillages, quand j'ai vu d'autres personnes se maquiller, je trouve que tellement c'était épais qu'elles n'arrivaient pas à correctement bien estomper, qu'on ne voit pas que leur concealer. Et le fait qu'elles n'ont pas bien estompé leur concealer, ça ne donnait pas un bon rendu. Et même moi, plusieurs fois, j'ai essayé de mettre plutôt le concealer en traçant mes sourcils. Et je me suis rendu compte que ça ne donnait pas un bon rendu. Alors ce que j'ai fait, ce que je me suis dit... Pourquoi pas essayer avec un fond de teint léger, mais vraiment léger. Ça fait qu'après, quand j'extompe, eh ben ça paraît plus naturel. Je peux même faire comme ça, bien extompé, et sortir comme ça sans fond de teint. Juste bien extompé, et ça paraîtra plus naturel. Et plusieurs fois, j'ai fait ça, personne n'a jamais remarqué que j'avais tracé mes sourcils. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. Je n'utilise pas de concealer pour tracer mes sourcils, mais j'utilise un fond de teint un peu plus clair que ma peau et léger. Voilà. Tracer le sourcil, c'est l'étape la plus dure, je trouve, personnellement pour moi, parce que si tu rates, ben, tu n'auras pas forcément un bon rendu sur ton maquillage, dans le sens où c'est ce qu'on voit le plus. Tu peux avoir bien fait ton contouring de visage, bien fait ton fard à paupières, bien illuminer ton visage, mais quand tes sourcils sont mal tracés, c'est ça qu'on voit le plus. Après, si tu as une frange, que si tu l'as mal tracée et que ta frange couvre, ça va. Mais quand tu n'as pas une frange, bon, on le voit. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas tracer parfaitement mes sourcils. Encore, je vous dis, là encore, j'apprends à bien les faire. Donc, comme vous voyez, moi, je fais comme ça. Je fais le contouring un peu proprement, puis après, j'extompe. Je ne suis pas une make-up artiste. Je suis juste une personne qui est fan du make-up, qui aime bien se maquiller. Et tous les jours, j'apprends. Je ne me suis pas réveillée comme ça, tac, un jour, je savais me maquiller. Non, non, pas du tout. Tous les jours, j'apprends à me maquiller. Tous les jours, je me mets là. Ça prend du temps, mais je le fais parce que je suis fan du make-up et j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Parfois même, je vais regarder d'autres tutos de make-up chez d'autres youtubeuses pour voir un peu d'autres façons de se maquiller, pour tester un peu d'autres façons de se maquiller. Et quand j'aime bien le rendu, eh ben, je reproduis le rendu sur moi. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis après du concealer sur ma paupière, puis après j'ai mis la banana powder pour un peu matifier le teint. Excusez-moi si je regarde tout le temps sur le côté. En fait, c'est parce que j'étais en train de regarder mon manga. Et donc, du coup, bah, à chaque fois, il y avait quelque chose d'intéressant. Et je me retournais pour regarder c'était qui, c'était quoi, qui parlait, qui disait quoi. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Pour ce make-up, c'est un make-up sombre un peu. J'ai oublié le nom, mais quand je vais retrouver, je vous le dirai. Mais moi,
j'ai utilisé que deux couleurs. Le marron, à peu près foncé comme ça, pas trop foncé, mais à peu près orangé, et du noir. De base, j'ai d'abord mis du noir, j'ai posé. Il y a d'autres personnes, ils font l'inverse. Ils mettent d'abord du marron et puis ils mettent du noir. Moi, j'ai premièrement mis du noir, j'ai posé. Et là, comme vous voyez, j'ai eu recours à prendre du scotch, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de dépasser et que j'allais avoir du mal à tracer mon eyeliner après. Donc, je mets du noir. Puis après, sur les contours, je vais extomper. En extompant, je vais rajouter un peu du marron à chaque fois. 50% sur du noir et 50% à l'extérieur. Et je vais bien extomper, vraiment bien, pour que ça ne soit pas genre en mode déposé, quoi. Vraiment que ça soit un peu dégradé. Là, je mets du rouge à lèvres parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai juste vu sur un tuto YouTube et j'ai voulu tester. En gros, le tuto, il disait comme quoi quand tu mettais du rouge à lèvres ou sur tes taches, sur tes points, parce que moi, j'ai des points de beauté qui se voient trop, donc j'ai essayé de les cacher. On m'a dit qu'apparemment, enfin, j'ai vu dans les tutos qu'apparemment, si tu mettais du rouge à lèvres, rouge, sur tes taches et que tu frottais après, bah ça, c'était censé cacher tes taches et tes points de beauté. Mais malheureusement, moi, mes points de beauté, ils n'ont pas vraiment été cachés parce qu'en fait, ils sont trop voyants. Donc finalement, ça m'a juste fait des joues rouges, en fait. Ça m'a juste fait des joues rouges et pas plus, quoi. En plus, regardez comment je suis en train d'appliquer alors que j'ai carrément une grande trousse de pinceau, hein, mais tellement je suis une flemmarde, j'applique avec les mains, c'est n'importe quoi. Je suis, comme pour vous dire, en fait, je suis vraiment pas une make-up artiste. Là, je suis en train d'utiliser un fond de teint qu'on m'avait donné comme cadeau. Je connais même pas la marque, tellement c'est pas moi qui ai acheté, en fait. Bah, la plupart du temps, mon matériel make-up, c'est pas moi qui ai acheté, hein. La plupart du temps, c'est des cadeaux parce que vous savez bien, les make-up, ça coûte cher et tout. Donc, je profite toujours à mon anniversaire ou à Noël pour demander du make-up et voilà. La palette, par exemple, que je tiens en main, je l'ai reçue à mes 19 ans d'anniversaire par une copine. Fond de teint Dior que j'ai aussi reçu à mon anniversaire. Enfin, voilà, la plupart du temps. Même mes pinceaux, j'ai aussi reçu comme cadeau. En fait, presque tout mon matériel, j'ai reçu comme cadeau. Là, pour le début, comme vous voyez, mon make-up, enfin, mon fond de teint, il paraît clair. C'est normal. Parce qu'après, quand j'aurai bien extompé, ça va prendre la couleur de ma peau. Ça fait toujours ça. Ça fait souffle. C'est le fond de teint, il fait ça en fait. C'est quand tu poses sur ta peau que ça prend la couleur de ta peau. Donc voilà. Et c'est vraiment important de bien extomper quand vous maquillez. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Quand ça paraît juste déposé comme ça, c'est horrible à voir. C'est vraiment horrible à voir. Dites-vous, moi, je suis pas une make-up artiste, hein, mais je remarque trop de détails sur les make-up des gens. Alors, dites-vous, une make-up artiste, quand elle voit les détails comme ça, maman, ça brûle les yeux. Ça brûle les yeux, je vais pas vous mentir, ça brûle les yeux. En plus, moi, j'ai essayé de mettre beaucoup de couches pour que, voilà, on me reconnaisse pas. Parce que j'aime bien faire les make-up où on ne me reconnaît pas. En fait, c'est de l'art pour moi, le make-up. Je kiffe, j'aime trop. C'est vraiment de l'art. Quand je fais, je suis dans un autre monde, je sais pas. Quand je dois sortir, je me maquille jamais autant comme ça. Hein. Je mets une petite couche de fond de teint et tout parce que j'aime pas transpirer. Mais quand je suis à la maison, je tape des vrais make-up, contouring, tout ce que vous voulez. Et puis après, je me prends en photo, je me démaquille 2 secondes après, puis c'est fini. Là, je suis en train d'appliquer pour mon contouring. J'ai pris un concealer un peu plus clair que mon fond de teint. Et j'ai essayé d'extomper avec un body blender. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'appelle ça le body blender. Désolée hein, si la palette vous cache un peu, c'est parce qu'il y a un miroir dessus. Et comme c'est des endroits que j'ai besoin de voir de près, ben, je rapproche un peu plus. Et encore une fois, je tourne ma tête pour regarder mon manga. Allez, vraiment jamais concentré moi. Jamais concentré. On vous a dit soyez concentré, s'il vous plaît, soyez concentré. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que, genre, enfin, je veux dire,
Le fond de teint, il n'est plus aussi clair qu'il paraissait au tout début. Pourtant, je n'ai pas rajouté quelque chose derrière ou quoi. Là, le fond de teint, il fait ma peau. Vous voyez? Donc, voilà. Parfois, il y a certains fonds de teint qui font ça, genre en mode quand tu regardes, ça paraît plus clair, mais quand tu mets sur ta peau, ça prend la couleur de ta peau, en fait. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Ça aussi, c'était un cadeau, je pense. Ouais, c'était un cadeau. Donc, le concealer sur les parties que je veux qu'il soit un peu clair. Et Ornel, arrête de te retourner. Merci. Voilà. J'extompe avec le Beauty Blender. Et encore une fois, je vous cache malheureusement. C'est dommage. Dans les prochaines vidéos de make-up que je veux faire, je vais essayer de prendre un petit miroir pour ne pas trop vous cacher. Parce que je ne sais pas si ça vous aide de ne pas voir ma façon d'extomper. Moi, pour les parties comme ça, je prends le Beauty Blender plat. Parce que c'est facile à appliquer quand c'est plat. Après, pour le reste, je prends juste le gonflé. Puis après, j'applique ma banana poudre sur les endroits les plus clairs, comme en dessous des yeux. Donc voilà. Tu mets bien, tu ouvres bien les yeux, tu mets. Voilà. C'est pas difficile, hein. Je trouve que c'est pas difficile. Il suffit juste de bien observer d'autres personnes faire pour pouvoir se maquiller. Après, ça demande beaucoup de patience de make-up parce que il suffit que tu rates un petit truc, que tu t'énerves et puis tu fous tout le reste en l'air, quoi. Comme par exemple, moi, avant, je savais tellement pas me retenir quand je ratais mes sourcils que j'avais plus envie de me maquiller. Genre, j'arrêtais tout. Et avant, je faisais tout mon make-up avant de faire mes sourcils. Mais quand je me suis rendu compte que c'était le plus dur pour moi, bah, je me suis dit, bon, ok, je vais faire mes sourcils au tout début. Comme ça, si je le rate, bah, je ne dois pas enlever tout le make-up de 500€ sur mon visage à cause d'un sourcil raté, quoi. Là, je suis en train de creuser mes joues. Pour l'instant, j'ai juste d'abord mis un fond de teint un peu orangé. C'est une technique propre à moi. En fait, c'est juste que le fond de teint... En fait, il n'est pas foncé, il est juste orangé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça personnellement, mais je trouve que ça me donne un peu de couleur à ma peau. Donc, je m'amuse tout le temps à faire ça. Et après, je veux faire maintenant mon contouring joue creusé avec une poudre bien foncée. Mais quand je vous dis bien foncée. Et c'est ça qui fait qu'après, quand je regarde, il y a vraiment un rendu. Voilà quoi. Vous voyez, moi de base, j'ai un gros nez. Mais quand je me maquille, on ne le voit pas, mon gros nez. Ça fait peut-être 4 fiches, mais je m'en fous. Genre, ma façon de faire à moi, c'est de commencer vraiment, comme vous voyez, comme je suis en train d'étaler là. En bas, je ne fais pas un rond, je fais un peu genre un V comme ça. Et puis, je remonte jusqu'à le bas de mon sourcil, vraiment jusqu'à ma paupière, quoi. Pour qu'il n'y a pas de délimitation. Et ça peut faire 4 fiches, mais moi, je m'en fous. Hein. Les personnes qui me disent quand ils me croisent en route, « Ah oui, mais toi, sur Instagram, on dirait pas la même qu'en vrai. » Non, je sais pas quoi. Hé, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi. Hé, pardon, il faut me laisser tranquille. Donc, voilà, comme je vous ai dit, hein, là, maintenant, je suis en train de creuser mes joues. Donc, là, je suis en train d'appliquer ma poudre foncée. C'est pas ma poudre pour le teint, mais c'est ma poudre foncée pour le contouring. Parce que moi, pour le contouring, j'ai le contouring en pâte et le contouring en poudre. Ça dépend de mon make-up. Parfois, j'aime bien utiliser l'un, parfois l'autre. Voilà, ça dépend. Mais je trouve ça vraiment, vraiment relaxant. Moi, pendant mes examens, par exemple, la plupart du temps, soit je me maquille, soit je fais les soins de cheveux ou les soins de visage. Parce que ce sont les choses qui me détendent le plus. Ce sont les choses que quand je fais, j'oublie tout le reste de ma vie, tous les problèmes que j'ai, tous les examens que j'ai. Donc vraiment, je ne sais pas vous, quand vous vous maquillez, vous pensez à quoi, mais moi, c'est vraiment un moment de détente. C'est comme si limite je m'asseyais là et qu'on me faisait un massage, en fait. C'est vraiment ça. Après, le démaquillage, c'est autre chose, hein, parce que le démaquillage, c'est... Ah là là, tu dois enlever toute cette couche de maquillage, c'est horrible. Le démaquillage, par contre, c'est horrible, mais il faut le faire, parce que le visage, c'est très important, il faut éviter les boutons, tout ça. Donc là, je retire ma banana poudre.
Je retire tout, j'essaye de bien retirer, hein, qu'il n'y a pas de couche là. Et ce make-up, c'est vraiment un make-up de soirée. Parce que la quantité de couches que j'ai mis, en plus de ça, la banana poudre, c'est vraiment pour matifier le teint, pour ne pas briller, tout ça. Là, je suis en train d'illuminer le coin de mes yeux. Donc voilà. Vous choisissez les brillants que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre du doré, vous mettez du doré, du argenté. Vous mettez du argenté. Moi, j'ai tout simplement mis un truc un peu léger qui ne fait pas trop. Parce que déjà, ce maquillage, on va dire, ça assombrit un peu mon visage. Donc, si je mets un peu trop, ça va faire bizarre. Je ne sais pas si vous voyez justement ce que je disais tout à l'heure avec... avec le fond de teint un peu orangé que j'ai mis sur mes joues et que juste en bas, j'ai fait mon contouring un peu plus sombre. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur mon visage. Et c'est ça que j'aime bien quand je me maquille. Vois ce truc-là des joues un peu orange, on dirait, voilà, tu vois, c'est ça que j'aime bien. À vrai dire, les sourcils aussi, c'est difficile. Enfin, les cils, les faux cils, pardon, j'ai dit les sourcils. Les faux cils sont aussi difficiles à coller, hein, mine de rien, mais ça aussi, hein, ça demande de l'entraînement. Il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils posent les sourcils et puis c'est fini. Mais d'autres, moi je tremble tellement des mains que pour poser mes sourcils, j'ai du mal, quoi. Là, dans la vidéo, ça paraît en mode, oui, elle a posé et puis c'est fini, mais... Avant, tu me demandais de coller mes sourcils, c'est limite, je collais tous mes yeux, je pleurais... Et puis après, quand je dormais, j'avais les yeux tout rouges tellement j'ai galéré à coller mes sourcils. Donc franchement, ça sert à rien de m'envier, hein, sur la façon que je me maquille. Parce qu'en vrai, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Si tu veux te maquiller comme ça, il faut t'entraîner. Il y a certaines NS avec des dents. Mais quand tu n'es pas avec un don, il faut t'entraîner. Faut t'entraîner, tu n'as pas le choix. En tout cas, si tu veux faire des make-up comme ça, mais si tu veux faire des bêtes make-up en mode, oui, je fais mes sourcils, je pose mes cils, et puis je fais un fond de teint, voilà. Enfin, je fais un teint un peu, on va dire, propre, et puis voilà, c'est tout. Ça, c'est pas compliqué, mais si tu veux faire des make-up comme ça, pardon, faut t'entraîner. Faut t'entraîner. Parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde de naître avec des dons de make-up artiste, non. Moi, j'ai dû m'entraîner pour savoir faire ça. Et donc... Je me dis, s'il y a des personnes qui veulent faire ça comme moi, vous devez vous entraîner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos justement sur YouTube pour montrer comment je fais mon make-up. Parce que en vrai, c'est ça qui m'a aidé à m'entraîner moi. C'est les personnes qui faisaient tout le temps des tutos et que je recopiais chez eux. Et après, en recopiant chez eux, je prenais ce qui allait le mieux avec ma forme de visage. Ma peau, tout ça, donc je me dis, si je fais ça aussi pour vous, ça vous aidera peut-être, donc voilà. Là, vu que mon visage, enfin, mon make-up est un peu fort, je fais juste des lèvres nude, c'est-à-dire le contour au crayon marron, puis après un gloss normal, puis un gloss brillant un peu pailleté comme ça, juste posé sur la lèvre pour taper l'œil. Et puis c'est tout, c'est fini. Je trouve que c'est vraiment facile en fait. Je trouve ça fascinant finalement. Quand tu regardes ma tête du début et ma tête de la fin, tu te dis, mais en fait, elle se transforme ou c'est comment? Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fini. Pour moi, quand je regarde ça, je me dis encore, c'est pas compliqué. Si tu veux vraiment, il suffit juste de t'entraîner. Juste après, je vais aller poser ma perruque et je vais m'habiller et je vais faire les photos. Donc voilà, comme vous voyez, le résultat quand même, voilà quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos.